te graver une jolie petite comptine dans tes os. Hé ! Abattez-moi cette tarée de sorcière ! Je vous rendrai riche ! Silence. Mamie a besoin de se concentrer. Me tue pas ! Arrête, Mamie Chiffon ! Arrête tout de suite ! On pourrait pas au moins en discuter ? J'ai besoin de couteaux bien aiguisés pour pouvoir te découper les os, Slack Joe. Bien aiguisés. Oh, mon grand. Tu veux bien m'aider à désosser Slack Joe ? Mamie a des cadeaux d'anniversaire pour toi. Je les gardais depuis longtemps, au cas où tu reviendrais. Le galant homme, il aide Mamie Chiffon à préparer son ragoût. On va se régaler ce soir, mon chéri. D'abord, il faut le tuer au couteau. Je ne voudrais pas qu'il ressorte de la marmite. Qu'est-ce que vous foutez ? Écoutez-moi, Corvo, ne l'aidez pas ! La laissez pas me tuer ! Il faut l'aider. Je vous donne d'abord, tout ce que j'ai. Chéri. Du fric, du whisky, la clé des égouts, si ça vous chante. Tout ce que vous voudrez. Commence par le tuer, chérie, pour qu'on puisse enlever ses chaînes. Ouvre ses chaînes, s'il te plaît. Voici la clé. Allez, ouvre ces chaînes, mon trésor. Voilà, soulève-le et jette-le dans la marmite. Allez. Oh, merci, tu m'as bien aidé. Je vais le laisser mijoter encore un peu. Tu peux prendre ton cadeau et partir, très cher. Mamie a des choses à faire. Toujours à traîner dans des endroits improbables, Corvo. Tu sors en rampant des ruines inondées pour retourner au pub où tu as vu pour la dernière fois Emily. Mais où est-elle ? Comment te sens-tu maintenant, trahi par tes propres alliés ? Étrange, il nous reste toujours une part d'innocence à perdre. Et Dode, l'assassin de l'impératrice. Tu le tenais à ta merci, et tu l'as laissé filer. Tu me fascines.